Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence digitale dans le cadre du Festival de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der, un festival qui, en raison de la situation sanitaire, ne peut pas avoir lieu actuellement, hein, donc on n'est pas au bord du lac. Par contre, on est dans un superbe environnement puisque nous sommes à Paris, mais dans un cadre un petit peu végétal. On n'est plus chez Canon, mais on est dans un super endroit. Et je suis en présence de deux photographes animaliers de conservation, des amis de la marque. Donc j'ai le plaisir d'être avec Nathalie Houdin et Denis Palanque, qui très souvent exposent donc, au Festival de Montier-en-Der. Plusieurs fois, je pense, par le passé, ils ont déjà présenté des expos, je pense, Nathalie et Denis. Donc je passe tout de suite la parole à Nathalie, qui va parler un petit peu de son métier, de sa profession et de sa passion. Et ensuite, ce sera Denis qui également prendra la parole. Alors, bonjour Jackie. Alors oui, effectivement, je suis photographe de nature et de conservation. Donc aussi bien sur des reportages, comme on va vous présenter avec Denis. Et puis aussi, j'interviens dans deux parcs nationaux pour interviewer les enfants, pour les sensibiliser justement à cette nature et puis justement de les aider à la protéger et à voir l'importance qu'elle a. Et voilà. Donc voilà, un gros travail sur la préservation, ce qui me tient à cœur, de protéger cette nature qu'on aime tant. Bonjour Jackie. Donc moi, bien sûr, moi aussi, je suis photographe de nature et de conservation. J'ai commencé en tant que scientifique, puis j'ai rapidement basculé sur la photographie. Je pense qu'on va vous détailler un petit peu rapidement ce qu'est en fait la photographie de conservation, parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui connaît un peu le principe. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aller un petit peu au-delà d'uniquement la belle image. La photographie de conservation va au-delà de la belle image de nature. Elle cherche à être un peu plus activiste, à montrer un petit peu que oui, la nature est belle, mais il y a pas mal de soucis derrière. Et donc pouvoir essayer de pousser les gens, les sensibiliser à justement changer leur comportement pour essayer de préserver cette nature-là. Donc on travaille régulièrement avec des scientifiques et quand on bosse sur des très très gros projets, Nathalie et moi, on essaye de travailler ensemble parce que ça demande beaucoup de logistique, beaucoup d'investissement et c'est plus simple à deux, tout simplement. Donc là, on va vous présenter rapidement deux projets pour vous détailler un petit peu ce qu'est la nature de conservation et notre travail. Et donc on va commencer par un travail qu'on a fait en Afrique du Sud, dans le désert du Karoo, où bien sûr, voilà, on est obligé de travailler sur des belles images pour sensibiliser les gens, les amener à regarder le sujet. Mais ce genre de photographie nous amène aussi à utiliser plein d'autres techniques, d'autres méthodes. Donc on peut commencer à passer des images. Donc notamment, des méthodes qui demandent beaucoup de matériel. Donc on travaille à la fois en termes de reportage. Donc on doit être au cœur de l'action pour ce genre de moment-là. Le plus discret possible, tout en étant présent. Parfois, c'est même pas toujours simple pour nous en tant qu'amoureux de la nature et de faire des images difficiles. Après, ce que je voulais préciser aussi, c'est que après, ce qui est important aussi, je pense, tu seras d'accord, dans notre travail, c'est que voilà, là, par exemple, on a travaillé sur un sujet très sensible. Voilà, donc on a vraiment eu la chance de pouvoir faire des images parce que la scientifique a fait un très gros travail en amont pour pouvoir sur ce sujet-là. Après, ce qui est très très important aussi dans la photographie de conservation, c'est bien sûr de montrer ce qui se passe, mais sans porter de jugement. Même si nous, évidemment, on est des grands amoureux de la nature, voilà, on peut pas juger par exemple un sujet comme ça où voilà les éleveurs ils vont tuer chacal, caracal, voilà, c'est montrer aussi ce qui se passe et que ben nous on a eu la chance de pouvoir aller chez eux, vivre avec eux et voir vraiment ce qui se passe et ce que eux vivent vraiment au quotidien. Ouais. Parce que là les caracal par exemple qu'on voit, c'est des caracal qui sont braconnés, c'est ça ou c'est... En fait, ce reportage-là dans le Karoo, c'était un reportage sur les conflits hommes prédateurs, donc les éleveurs qui ont des très très grandes propriétés, donc le caracal et le chacal, qui étaient les deux mésoprédateurs du milieu, qui en fait déciment les troupeaux. D'accord. Mais en même temps, c'est un milieu où les animaux, c'est les seuls prédateurs qui restent à l'état sauvage, et donc tu ne peux pas te permettre de tout détruire d'un côté ou de laisser non plus les hommes mourir, parce que c'est leur revenu, ils n'ont que ça, ils n'ont pas les aides de l'État. Donc voilà, ce reportage nous a permis de côtoyer ces éleveurs. Là, on voit notamment un éleveur qui a d'ailleurs un caracal à côté de lui parce que donc il a adopté un caracal qui était à moitié aveugle, Nodol, il s'appelait. Et donc, ça nous a permis de faire des belles rencontres. D'accord. Comme celle-ci, parfois même des rencontres un petit peu plus insolites, notamment la photo suivante, quand on préparait nos affaires.
Et quand en fait un reportage comme celui-ci, ça demande, j'imagine, beaucoup de préparation en amont. C'est un travail de longue haleine. C'est plusieurs, j'imagine, plusieurs mois de travail en amont avant de pouvoir plusieurs années même carrément. Il y a 2 ans de travail. Ah, c'est justement pour ça en fait que les gros reportages comme ça, on les fait tous les deux parce que ça demande vraiment un travail énorme. Ouais. Donc seul, ça serait alors c'est possible bien sûr, mais ça demande une logistique vraiment énorme. À deux, ça permet de se partager le travail. Donc déjà en amont et puis comme disait Denis. Et aussi sur le terrain. Après, l'avantage qu'on a aussi tous les deux, je pense, c'est qu'on se connaît très bien et voilà, on est complémentaires dans nos images. Que quand on arrive sur une scène sur le terrain, on sait tout de suite voilà, qui fait quoi. On a chacun 2 optiques différentes. Donc, par exemple, un qui a un télé et un qui a un grand angle. Ça nous permet de faire le double d'images. Sur une même scène. Ouais. Voilà, et on a l'habitude de travailler ensemble, on sait où se positionner. Et aussi, on a notre style chacun, et à la fois, on a, je pense, une homogénéité dans nos images qui fait que dans la globalité du reportage ensuite, ben, on va être très, très complémentaires et en même temps, on ne verra pas la différence. Nous, maintenant, je pense que quand on regarde les photos, par exemple, du Carreau qui datent un peu, sur certaines images, on est incapable de dire qui les a faites. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Alors, quand on voit les images comme celle-ci, alors, il y a des très, très belles images qui sont très esthétiques, sympas, joyeuses. Et par contre, parfois, derrière, on a également des images très, très dures. Hein, Il y a, c'est la réalité, c'est sur le terrain. C'est vrai que la photo de nature, par exemple, hier, on a vu beaucoup de belles choses. Hein, mais là, on a une autre façon de voir la photo animalière à travers donc, des images de la réalité, de la vie, parfois, qui est très difficile pour les gens là-bas, de vivre à côté de ces animaux qui sont, donc, comme vous dites, des prédateurs. Donc, c'est ce qu'on aime aussi, puis c'est de montrer ce qui se passe, même si, effectivement, il y a certaines photos, quand on a fait les photos là, des cadavres à 3h du matin, quand on se lève et qu'on voit ça, faut avoir le fer bien accroché. Ouais. Et puis, c'est surtout, il ne faut pas avoir de sentiments, je pense. Moi, je me dis, quand je fais ce genre d'image, j'y vais, je n'ai pas forcément le sentiment. Et après, ça nous rattrape. Mais sur le coup, voilà, on est là pour faire nos images. Il faut prendre du recul sur les choses, obligatoirement. Alors, des gros projets comme celui-ci... Donc, comme tu le disais, on a mis 2 ans pour le préparer. On est allé 2 années de suite après sur le terrain pour réaliser les images. Mmh. À chaque fois, on était obligé d'amener énormément de matériel puisqu'on avait des techniques de flash d'extérieur. Donc, on a utilisé beaucoup de matériel que Canon, d'ailleurs, nous a gentiment prêté parce qu'on n'avait pas tout. Oui. Au total, on avait 150 kilos de matériel répartis dans des caisses comme ça. Le coffre était plein de la voiture. Ah, d'accord. Et vous partez que tous les deux ? Oui. Ouais. Ah, oui. Oui, enfin, c'était en niveau logistique, c'était incroyable. Oui, c'est difficile, amener tout ça en Afrique du Sud a coûté plus cher que nos propres billets d'avion, quoi. Je veux dire, c'était pas simple. Et mais voilà, donc en plus des techniques de reportage, de portraits classiques avec des flashs, des parapluies, tout ça, on a aussi pas mal utilisé de pièges photos. Mm-hmm. Donc c'est pareil, des pièges photos, on avait 5 pièges photos. On avait donc des caissons étanches parce que les animaux, ils ont tendance à vouloir tout grignoter là-bas. Et puis 5 boîtiers supplémentaires, 2 flashs pour chaque boîtier. D'accord. Tout ça fait vraiment de la logistique à gérer sur le terrain. Mm-hmm. Et notre grosse problématique, c'est que quand on part sur le terrain, on a très peu de temps. Donc encore une fois, l'avantage de bosser à deux, c'est que dans un temps très réduit, on peut faire beaucoup plus de choses, quoi. Mm-hmm. Donc là, on voit Nathalie en train de préparer, en train de préparer des pièges photos qu'on va aller installer. Donc les pièges photos, c'est vous dites un capteur, j'imagine, qui va détecter la présence de l'animal. C'est des capteurs. Là, on a utilisé des cellules infrarouges, des cellules barrières. Et après, vous les reliez à la synchroflash, j'imagine. Exactement. La synchro-boîtier plutôt. Oui. Par un système radio. D'accord. Ouais. Donc là, dans le caisson, il y a un 5D Mark III. À l'époque, c'était des 5D Mark III et des 6D qu'on avait installés. C'était pas simple parce que, en fait, dans ce milieu-là, les animaux, ils sont persécutés, comme tu as pu le voir tout à l'heure. Et donc, tout le monde nous disait, vous ferez jamais de photos de caracal sauvage. On a quand même réussi à en faire. On avait quand même pas mal misé sur le piège photo, mais les pièges photos, ils n'ont pas donné ce qu'on avait espéré. Quoi. Ce qu'il y a, c'est que là-bas, c'est vraiment compliqué. C'est ce que nous disait Marine. Elle disait, mais elle en a dans ses pièges photos, mais elle est là tout le temps. Il aurait fallu qu'on laisse les pièges. Vous restez combien de temps là-bas, sur place, par exemple ? Un mois. Mais même un mois, ce n'est pas suffisant, surtout pour des animaux aussi traqués. On a vraiment eu de la chance parce qu'on a quand même réussi à faire des images, comme on a vu tout à l'heure, là, du caracal qui était en milieu naturel et puis du chacal. Voilà, c'était vraiment... c'était inespéré. Quand on a montré les photos à la scientifique, elle nous a dit « Mais non, comment vous avez fait ? C'est impossible. » Donc, la technique de piège photo, ça implique nécessairement, comme on le voit sur l'image d'après, des essais et des réglages. Donc là aussi, on a quelques surprises avec des drôles de bestioles qui passent. Il faut faire des essais, il faut faire l'animal. Donc, Mais après, ça donne quand même des beaux résultats sur le terrain. Donc là, c'est des antilopes, j'imagine. Oui, c'est des bubales. Le piège photo était carrément au milieu de la mare. C'est une antilope.
Et du coup voilà, on a quand même réussi à sortir des belles images intéressantes qui sont passées en magazine et autres. Ce qui est le but, puisque c'est vraiment pour sensibiliser. Et après, ces conférences, par exemple, enfin, c'est en conférence, j'imagine. On a fait des conférences. À Montier, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Magazine aussi. Oui. Le plus c'est diffusé, le plus ça sensibilise les gens. Donc, pour nous, c'est ce qui est intéressant. C'est pour ça qu'un festival comme Montier, c'est également très important pour vous, bien sûr. Pour la conservation, à pour Montier, pouvoir communiquer et à travers, puisque c'est un grand, grand festival. Mais la photo, en général, pour nous, je pense que pour sensibiliser les gens, rien de tel que l'image. Oui, bien sûr. Il faut. C'est aussi. Alors, bien sûr, les scientifiques, c'est eux qui font tout le travail sur place, mais nous, c'est important qu'on soit là pour montrer ce qu'ils font. Le poids des mots, le choc des images, la formule. Donc je pense que c'est très important d'avoir de belles images pour communiquer sur la protection de la nature. Alors là, du coup, on change d'univers. Là, on part à Madagascar. Donc là, c'est le dernier reportage qu'on a fait tous les deux. Et justement, qui était présente l'année dernière à Montier-Andère, justement au chapiteau. Donc on a pu montrer. Et en ligne actuellement, effectivement. Ça, c'est une photo faite en hélicoptère, en drone non. Ou... Non. C'est très montagneux, Madagascar. Donc, c'est pris d'une petite colline, sur la colline d'en face. D'accord. Madagascar, donc, avec un téléobjectif, alors j'imagine. Voilà, exactement. 200-400. Madagascar, en fait, on avait des contraintes complètement différentes de l'Afrique du Sud, puisque là, du coup, on suivait donc des ONG qui travaillaient sur la conservation des lémuriens. On était là-bas en mission pour l'IUCN. L'Union internationale pour la conservation de la nature. Et donc voilà, en fait, les belles forêts, c'est le pourtour de Madagascar, mais 90% de Madagascar est en train de brûler ou est en train d'être dévasté parce qu'ils ont rien à manger là-bas, donc ils défrichent pour planter. Et donc nous, on était là-bas pour suivre le travail des ONG. Et notre grosse contrainte, c'était la mobilité. Parce que, comme tu peux le voir sur cette image-là, donc c'est Nathalie qui est en train de suivre les pisteurs dans la roue. Les sacs énormes. C'est plutôt entre un sac qui marche. Notre sac faisait 19 et 20 kilos. Et donc, il fallait qu'on ait tout notre matériel avec nous parce qu'il fallait qu'on suive les gens dans la jungle. Quoi. Donc là, pour le coup, le 200-400 était vraiment l'objectif idéal pour ce genre de... Ouais, parce que c'est très polyvalent, c'est une focale étendue au niveau du zoom. Et à côté de ça, voilà, on avait nos flashs avec nous, on avait deux boîtiers chacun, enfin bon, on avait tout notre attirail, mais il fallait qu'on puisse bouger. Donc il y a différentes images de nous. Et sur ce reportage, vous travaillez avec un Neosyn DX Mark II. Mark II. Un DX Mark II. Comme tu peux le voir sur cette photo et la suivante, voilà, les lémuriens, ils vivent dans la canopée qui est entre 20 et 30 mètres. Et chaque fin de journée, on avait vraiment les cervicales qui étaient ruinées. Oui, j'imagine. On avait vraiment tout notre matériel avec nous. Et certains moments, parce qu'au début, on a commencé à partir avec tout le matériel. Et puis, ça faisait quand même des sacrées journées, on s'est dit, on va peut-être pas forcément tout prendre à chaque fois. Et alors, à chaque fois, on leur demandait, mais on va loin aujourd'hui? Ils disaient, non, c'est pas loin. Mais eux, ils partaient juste comme ça, pieds nus, avec une bouteille d'eau à la main. Et nous, on avait les 19 kilos sur le dos. Et puis, en fait, de c'est pas loin à c'est pas loin, on marchait pendant 5 heures comme ça à la fin de la journée. On était 19 kilos, c'est quand même beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, oui. Alors, quand j'en pouvais. Nathalie, en plus, c'est ça. Mais l'avantage, c'est quand j'en pouvais vraiment plus, je regardais Denis, quand je voyais sa tête, je me disais, ça va lui aussi. Donc, ça me. Je pense que c'est une toute la journée, en plus, comme c'est montagneux, il faut grimper. Oui, c'est physique, oui. Donc là, c'est une de nos belles rencontres là-bas. On a eu la chance de travailler avec une ONG américaine, Madagascar Partnership Biodiversity, qui travaillait notamment sur le Ayai, qui est un lémurien très très peu connu, qui ressemble plus à un gremlins qu'à autre chose. Oui, il n'est pas... Qui a une biologie très particulière. Et il est donc nocturne, comme tu as pu le voir. Donc on a fait pas mal de sorties nocturnes aussi. Donc là, forcément, il fallait les flashs en plus des appareils photo, les repérer. Enfin bon, c'était assez sport. Et on a eu la chance de tomber sur un moment où ils avaient besoin de changer pile sur un collier émetteur GPS, puisqu'ils étudient la répartition dans la canopée justement et les territoires de ce Ayai. Et donc on a pu faire ces photos-là. Donc il y avait tout un examen vétérinaire qui a été fait en même temps, prise de sang, tout ça, et changement de la pile. Donc là on voit Nat en train de travailler, donc tu vois au flash, et clairement avec des grands angles, puisque là il faut être au cœur de l'action. Cet animal, le Ayai, en fait, comme tu peux le voir sur cette image-là, il a il a des très grandes mains. Il a une dysmorphologie au niveau d'un doigt. D'accord. Parce qu'il est tellement spécialisé, d'où son problème aussi de conservation, c'est qu'il est trop spécialisé. En fait, il va manger des larves qui sont dans les creux, dans les troncs morts, dans les tout petits trous. D'accord. Et du coup, il a ce petit doigt tout fin qui l'enfile dedans pour aller récupérer les larves.
Et il a des dents aussi, comme on peut le voir là, en forme de ciseau à bois pour entailler un peu le bois. Donc voilà, c'est un animal qu'on ne pensait pas avoir aussi près, d'aussi près, d'aussi bien. Oui, ça, c'est sûr. Donc on a eu la chance de pouvoir faire quelques belles images. Les dents qu'on voit ? C'est ses dents. Il a deux grandes incisives comme ça pour faire. Ça lui permet justement de ronger le bois. Ronger un peu le bois pour élargir le trou. D'accord. Sa main dedans, enfin son doigt. Donc on a eu des belles rencontres sur place. Les lémuriens sont dans les endroits où on était, qui sont complètement sauvages, loin des parcs nationaux. Les lémuriens étaient curieux, complètement sauvages. Si je me souviens bien, il y en a même un des ruffifrons, là, donc cette espèce-là qui a léché ta lentille frontale. Oui. En fait, on a eu vraiment une belle rencontre. À un moment, on s'est retrouvés tous les deux au milieu de la forêt. Et là, il y a tous ces lémuriens qui sont arrivés d'un coup, de nulle part. Et alors, ils étaient très, très curieux. Ils ont fini par fouiller nos sacs. Ouais. Et puis, alors, du coup, ils sont tellement rapprochés qu'on s'est dit, on va carrément faire des photos au grand angle. Donc, on a commencé à les prendre en photo. Puis, alors là, ils rentraient carrément, regardaient l'objectif, ils l'attrapaient. Ouais, voilà. Et puis, il y en a un qui a léché ma lentille. En fait, on s'est rendu compte par la suite. Vous avez beaucoup de bravo et de félicitations sur les réseaux sociaux. Là, je regarde un petit peu en parallèle. Merci, bravo à vous deux, sublime, félicitations, bravissimo. Très intéressant. Coucou les amis. Ah, ça, c'est Max Alayaga qui fait un petit Max. Coucou. Donc, très sympa. On verra bientôt. Donc, voilà. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte par la suite qu'on était sur un de leurs sites de nourrissage au sol. Et c'est pour ça, là où on avait posé nos sacs. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont venus nous rendre visite. On a eu aussi la grande chance de... C'était aussi une belle rencontre, mais bon, qu'on a un petit peu aussi forcé, puisqu'on avait aussi envie de profiter d'être sur place là-bas pour essayer justement de voir le fossa, qui est un peu emblématique de Madagascar. Après, il faut savoir aussi que de toute façon, tout est emblématique à Madagascar, puisque tout est endémique à Madagascar. C'est bien le problème. Au monde. Ouais. Donc c'est bien le problème justement de cette île, hein, c'est que tout ce qui disparaît à Madagascar disparaît à jamais. D'où justement l'importance de protéger tout ce qui s'y trouve. Et comment s'appelle ça? Alors le fossa. Le fossa. Le fossa, donc vraiment il est le seul de sa famille. C'est très sympa d'être là. Voilà. Et d'apprendre c'est le seul vrai de prédateur sculpture. De l'île en fait. Ah donc c'est un prédateur, d'accord. Oui. C'est pas un herbivore. C'est un prédateur venu de rien d'ailleurs. D'accord. Voilà, donc c'est le seul prédateur. Alors justement, nous on a voulu aussi montrer aussi l'autre côté que oui, effectivement, c'est un prédateur qu'on ne voit jamais. Et puis là où on était, étrangement, on le voyait beaucoup. Et du coup, on a commencé à se demander pourquoi on le voit autant. Et puis en cherchant, on a trouvé qu'effectivement, le camp sur lequel on était avait une décharge à ciel ouvert et les fossas venaient se nourrir dedans. D'accord. Donc du coup, cette photo, alors elle a été prise de manière très très artisanale. Il faudra qu'on raconte comment on l'a prise. Voilà, c'est une petite question. C'est un canidé, quelle famille? Il est unique dans sa famille et même dans son genre. D'accord. Ils l'ont créé le genre rien que pour lui. D'accord. Okay. Enfin, pour ceux qui. Pour la petite anecdote de cette image. Donc cette image, on a eu la grande chance qu'elle soit coup de cœur à Montier-en-Der justement. Elle a été primée. Et alors celle-ci, de toute façon, on co-signe toutes nos images. Mm-hmm. Mais alors celle-ci, pour le coup, elle est vraiment prise. Par nous deux, puisque pour avoir une photo du fossa au grand angle, évidemment, on n'allait pas aller dans la décharge devant le fossa. Donc, on a cherché comment faire avec ce qu'on avait. Il faut imaginer quand même que c'est un animal qui est quand même assez impressionnant. Il n'est pas très haut sur pattes, mais il est très massif. Il est assez long. Hein. C'est un peu un croisement entre un puma et un mustélidé. Enfin, il a vraiment une morphologie bizarre avec des griffes rétractables et des belles dents. C'est agressif ou c'est... Alors, en fait, on a pu repérer 4 ou 5 foussas, dont un vieux qui était très agressif. On a suffisamment d'expérience pour savoir que on le laissait tranquille. Et puis ce jeune qu'on a réussi à approcher d'un peu plus près. Mais donc, on a passé quand même la nuit à savoir... On voulait une photo au grand angle dans cette décharge parce qu'on avait fait quelques photos au télé. Ça ne nous convenait pas. On voulait vraiment que les spectateurs puissent rentrer dedans et se rendre compte de la problématique réelle. Donc on a regardé pendant toute la nuit. Là, on a fait nos calculs et on voulait essayer de... On avait absolument rien pris pour faire du piège photo cette fois-ci-là. Et donc, l'astuce qu'on a trouvée, c'était d'utiliser ce qu'on avait emmené, donc un monopode. Le monopode. Ouais. Et puis, alors là, du coup, on a... comme on avait le 6D Mark II. En test, d'ailleurs. Et qu'il a la Wi-Fi. Enfin, donc, du coup, Denis tenait le monopode avec le boîtier au bout, à bout de bras. Et moi, je déclenchais sur le téléphone. J'avais déplié l'écran orientable pour essayer de cadrer au mieux. Et elle me disait un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et elle réglait tous les paramètres photo. Ah, d'accord. Et donc, parce qu'il y avait un flash en plus au bout du monopode. Donc, je peux dire que ça faisait quand même du poids. Quoi. Avec l'application Caméra Connect, alors. Exactement. OK, très bien. Donc voilà, merci Canon, sans ça on n'aurait pas pu faire cette image, ça c'est évident.
Alors là, bah, du coup, là, ah, là c'est on... plus esthétique. Voilà. Là. Voilà. Ouais. Là, c'est du coup, c'est, on va basculer sur le R6. Ah oui, donc alors une petite explication sur le R6. Donc tous les deux, donc vous avez testé, donc même Denis, toi, tu étais carrément un bêta testeur puisque tu as eu la chance de tester le l'EOS R6 avant son lancement. Avant le lancement. Donc tu l'as testé, je crois, en août. En août, et le produit a été vendu fin août, début septembre. Ouais. Donc, tu as eu l'occasion de le tester dans la montagne, chez toi, là-bas. J'ai eu une grosse semaine, un peu plus d'une semaine pour le tester en amont. Et en plus, tu l'avais associé, je crois, au 800 mm qu'on t'avait prêté également. Tous les deux, on a pu avoir le nouveau 800 mm STM, là, pour le tester avec, exactement. Et donc, toi qui travailles, tous les deux d'ailleurs, vous travaillez donc avec des réflexes, j'imagine, depuis très longtemps. Est-ce que le fait de travailler avec un hybride, ça a changé quelque chose dans votre façon de travailler? Est-ce que le ressenti de la visée, hein, ça c'est la question que je pose à chaque fois, puisque c'est vraiment différent. Est-ce que vous avez trouvé ça sympa? Enfin, quel est votre ressenti par rapport à ça? N'importe, je sais pas, vas-y. Oui. Alors, moi, autant le dire franchement, je suis un adepte du viseur des réflexes. D'accord. C'est vraiment un beau viseur lumineux d'un 1DX ou d'un 5D, c'est vraiment une télé, c'est génial. D'autant que nous, on passe des journées entières avec l'œil collé au viseur. C'est très fatigant. Donc, je ne suis jamais passé à l'hybride à cause de ça, en fait. Au départ, tous les hybrides que j'ai pu essayer, d'autres marques notamment, je ne reviendrai pas dessus, c'était vraiment le premier point qui me dérangeait sur les hybrides. C'était, même s'ils ont plein d'avantages, c'était le viseur. Et là, donc, j'ai pu essayer le R6. J'avais déjà essayé le R à l'époque au Yukon en hiver. Et il ne m'avait pas satisfait au niveau de l'ergonomie. Et puis, quand le R6 est sorti, Canon m'a proposé de le tester en bêta testeur. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et là, franchement, il y a eu, comme on dit, un gap. Il y avait vraiment une marche en termes de qualité. Et là, maintenant, le viseur, j'ai pu passer des journées entières avec l'œil dans le viseur, d'autant qu'on peut régler l'intensité assez facilement et même en mode automatique. Et là, voilà, j'y pensais plus. Donc, du moment où tu ne penses plus à un inconvénient, c'est que ce n'est plus un inconvénient. Et du coup, j'ai même craqué puisque j'ai l'acheté et j'ai mon propre R6. Et puis, il a bien fait, je pense que c'est fait pour ça également. C'est ce qui m'a fait basculer, notamment aussi, on retrouve toute l'ergonomie classique de nos boîtiers réflexes. Enfin, je veux dire, c'est l'ergonomie Canon. C'est quelque chose de très important sur le R5 comme sur le R6. Quand on a lancé ces produits, on a voulu prendre l'ergonomie d'un EOS pour que les gens qui basculent du monde réflexe au monde hybride, ils retrouvent leur petit, ce soit très intuitif. Et pour l'instant, tous les retours qu'on a, on est toujours félicité par rapport au fait que c'est un produit qui est très facile à prendre en main. En deux jours, tu retrouves tous tes repères. Moi, c'était la première fois en fait que je testais un hybride. Oui. J'ai toujours eu que des réflexes. Donc, j'avoue qu'au début, j'avais envie de voir parce que j'étais un peu réticente par rapport justement au viseur. Et alors, c'est vrai, je vais avouer qu'au début, c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on a tellement l'habitude de travailler avec un réflexe. Et puis, finalement, on s'y habitue assez rapidement parce que c'est pas si gênant que ça. Finalement, puis finalement, ça finit. Mais au début, c'est pas si gênant, et puis petit à petit, comme dit Denis, on l'oublie complètement. Et puis surtout, ce qui est très agréable aussi, c'est de pouvoir voir à chaque fois qu'on va changer d'exposition, le voir directement dans le viseur, c'est quand même très très avantageux. Électronique, c'est qu'on voit directement nos réglages dans la visée, alors que sur un réflexe, c'est une visée optique, donc on n'a pas un aperçu comme ça. Et même, même si on est des habitués, on s'y fait rapidement et c'est vraiment, vraiment un avantage. Oui. Mmh. Et puis, comme dit Denis, vraiment l'ergonomie, on prend n'importe quel, on prend le R6 et on retrouve toutes nos habitudes. Parce qu'avant le R6, tu avais quoi, Denis, toi ? 1DX, 6D Mark II. Et toi, Nathalie ? Moi, j'ai un 1DX et un 5D Mark III. D'accord, ok. Donc, on voit qu'on bascule sur un autre monde, mais ça reste une ergonomie assez proche. C'est les mêmes ergonomies, ouais. Alors, parmi toutes ces caractéristiques sur les OCR6, est-ce qu'il y a des caractéristiques qui vous ont vraiment épaté plus que d'autres ? Nathalie, en premier. Alors, sur le R6 en tant que tel, après, moi, je vais peut-être plus parler de l'optique, pour le coup, parce que j'ai eu la chance de tester le 800 mm. Là, du coup, je vois la photo. Et moi, j'avais vraiment aussi envie de tester cette optique, parce que un 800 mm qui ouvre à 11... C'est sûr que par rapport aux 19 kilos du, du sac à dos, je pense qu'on peut faire des progrès par rapport à ça, puisque le 800 mm, il fait 1,2 kg, je crois. Oui, il me semble. Et donc, par rapport à un produit comme un 600, par exemple 5-6 qui lui fait plus de 3,5 kg,
il y a des grosses différences de poids. Je pense que ça peut être intéressant pour des gens qui partent comme ça, d'avoir un produit plus léger. Ah bah, moi qui ai fait avant beaucoup de photos de montagne pendant de nombreuses années, je me dis, mais si j'avais eu ça, c'est sûr que le poids, ce n'est pas du tout le même. Et alors, pour revenir donc au 800, donc pour les deux photos qu'on a vues avant, qui ont été faites avec, moi, voilà, j'étais vraiment bluffée parce que les questions que j'ai eues quand j'ai pu mettre les photos sur Facebook, c'était, oui, mais à 11, le bokeh, et ben voilà, là, on peut voir, hein, cette photo, elle est prise avec, et ben, c'est juste magnifique. Le rendu est terrible. Après, sur un angle de champ si serré sur un 800, tout, c'est pas comme sur un grand angle où c'est un peu différent, mais là, effectivement... Oui, enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au moment où tous les deux, hein, on l'a testé, on ne pouvait encore pas développer le RAW. Oui. Donc, toutes les photos que j'ai faites, là, sont faites en JPEG. Hein, donc, c'est vraiment... la qualité, elle est bluffée. Moi, j'ai vraiment été bluffée par l'optique et le boîtier. C'est vraiment... C'est vraiment ça, c'est une qualité des RF, hein, puisque quand ils sont montés sur un EOS R6, c'est que tout de suite, ils sont optimisés. L'appareil va les reconnaître. On a un nouveau mode de communication qui va donc optimiser le rendement. Il va corriger tous les petits défauts d'aberration chromatique, par exemple, de l'objectif, qui seront corrigés. Et tout de suite, on a un rendu quasiment... Alors, on est revenu a priori à un problème de réseau, donc on a été coupé pendant quelques instants. Donc, on reprend donc maintenant sur Nathalie et les photos faites avec le R6 et son magnifique chien qu'elle a pris en image avec l'EOS R6. C'est un 800 mm à la tombée de la nuit. Et j'ai une question, du coup, je rebondis pendant l'interruption. Christine Bastide qui me pose des questions, enfin, qui nous pose des questions sur le R6. Et elle me dit, le 800 mm, ce n'est pas un premier achat, bien sûr, mais bon. Pour se lancer dans la photo animalière, je pense que ça permet pour le plus grand nombre d'avoir accès à ce type de photo, parce qu'un 600, un 400 de la série L, ce n'est pas du tout pareil. Hein, le prix n'est pas le même, c'est beaucoup plus encombrant. Et je pense que pour se mettre le pied à l'étrier, c'est un premier pas. Et je pense que c'est très intéressant d'utiliser ce type d'objectif. Ah oui, c'est même plus qu'un premier pas. Un 800 mm de cette qualité à ce prix-là, moi j'aurais eu ça en étant plus jeune. Ouais, c'est plus qu'un premier pas. C'est génial. Moi, je le conseille sans problème. Et elle me posait la question, tu étais à combien de mètres de ton chien ? Eh ben alors justement, ce que je disais, alors après, je ne sais pas où on a été coupé. Ouais. Donc voilà, je disais que ces photos ont été prises le soir et à 10 000 ISO. Donc c'est juste bluffant, quoi. Enfin, le suivi déjà a été, ben voilà, et sans problème, il a suivi tout de suite. Et justement, le plus difficile avec le 800 mm, c'était de trouver mon chien et d'arriver à le suivre. Alors ça, c'est lié au fait que l'angle de champ est très très serré. Hein, voilà, mais sans problème. Donc après, la distance, ben, je ne saurais pas bien dire, parce que là, 800 mm, c'est quand même très serré. J'étais quand même assez loin. Hein, Donc tu as un chien qui aime l'eau, hein, qui est nageur. Hein. Ah ouais, non. Alors là, il peut faire ça des heures. Voilà, on lui lance un bâton. Et puis, voilà, c'est l'avantage, c'était le bon sujet. Parce que là, je peux y aller toute la nuit si je veux. Il n'y a pas de problème. L'EOS R6 détecte les animaux. Donc, je le rappelle, les chats, les chiens et les oiseaux. Hein, d'accord ? Et oui, bah, du coup, j'ai pu le tester aussi avec les oiseaux. Donc, c'est vrai que c'est juste impressionnant. Le suivi, il est impressionnant quand même. Hein. Après, bah, là, bon, c'était différent. Là, j'en ai profité pour tester aussi le 24-105. Et puis, voilà. C'est plus esthétique, c'est un filet, c'est des arbres. Oui, voilà, c'est un filet d'arbres.
Voilà, donc moi, c'est aussi le genre d'image que j'aime faire. J'aime aussi faire des photos un peu plus graphiques et un petit peu plus picturales, on va dire. Donc, j'en ai profité pour le tester dans toutes les photos que je pourrais faire, pourrais faire moi. Donc, et là, tu travailles encore à quelle sensibilité? C'est toujours ça? Là, ça va. Je devais être à 400 ISO, quelque chose comme ça. Donc, ouais. Là, après, c'est vraiment, j'ai vraiment testé le 10 000 ISO sur le chien. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire la totale. Je vais faire et à la fois en faible lumière et à la fois sur un sujet qui bouge, voilà, pour vraiment tout tester en même temps. Voilà. Et là, c'est que toutes les photos qu'on voit, c'est uniquement du JPEG. Donc, parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas des DPP pour développer les images. Hein, c'est comment dire, l'inconvénient d'être bêta-testeur, c'est qu'on n'a pas tout à disposition à la sortie. C'est très bien parce que ça permet justement de voir tel quel, sans retravailler avec le RAW, les images. Ben, voilà, on voit la qualité, c'est juste impressionnant. D'accord. Et du coup, là, je vais laisser la parole à Denis. C'est une photo de Denis. Oui, tout à fait. Donc, qui ressemble d'ailleurs aux photos d'hier de Nicolas. Qui avait également fait des photos de bouquetins. C'est un bouquetin? C'est un bouquetin, exactement. Ouais, tout à fait. Oui, ben voilà, quand j'ai eu le boîtier et le 800, j'en ai profité pour aller un petit peu en montagne faire des essais. Moi, j'aimerais revenir sur la polyvalence de ce boîtier, du R6. Mmh. C'est vraiment un appareil qui permet de faire de l'animalier, du reportage, des choses beaucoup plus esthétiques, du paysage. On va voir d'autres images plus loin. Et avec une facilité, une aisance vraiment phénoménale. Alors, pour les photographes animaliers, je pense qu'il y a la stabilisation image. Ça, c'est fait avec le 800. J'ai fait volontairement un crop à côté. Donc, c'est pareil, c'est un JPEG qui est pas retraité. C'est brut de capteur, comme on dit. Ouais. Hein. Donc, avec l'image complète à gauche et puis le crop à 100% où on voit tous les poils sur l'œil. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire, ne serait-ce qu'au niveau de l'optique, de la netteté, de son piqué, du bokeh aussi, qui, je trouve, est quand même assez bon. Hein. Ouais, très beau fondu derrière. Surprenant, d'ailleurs. Oui. Et puis, le R6 qui gère très très bien. Là, il y avait pas mal de lumière, ça commençait à être assez tard dans la matinée. Et malgré ça, on a du détail dans les hautes lumières comme dans les zones d'ombre. Et une question sur l'AF, ça suit bien avec un. Alors, l'AF, que ce soit un chien ou un bouquetin, il n'y a pas de problème. Le bouquetin, il n'est pas dans la liste. Hein. On n'a pas tous les animaux. Non, en fait, il n'y a aucun problème. On a les animaux les plus communs. Il arrive vraiment à accrocher. Alors, quand les animaux, notamment les oiseaux, sont très loin, il accroche sur la silhouette. Mais dès qu'il arrive à voir l'œil. Il capte dessus. Là, j'ai pu le tester, notamment dans des conditions de luminosité très, très difficiles. Et je me suis dit, je vais essayer de voir si j'arrive à planter la F. Je n'ai pas réussi. Donc, la brume m'a permis d'avoir un sujet très, très peu contrasté. Mais le cormoran, je l'ai attrapé sur son piquet. Non, c'était la photo d'avant. C'était un héron. C'est un héron. D'accord. Mais sur la photo d'avant, tu vois, le cormoran, il était sur le piquet. La F l'a attrapé. Et j'ai toute une série, donc j'étais pareil en rafale à 20 images secondes pour essayer de voir ce que ça donnait, en obturateur électronique, donc complètement silencieux, pas un bruit. En animalier, ça c'est aussi un grand plus quand même. Et il a accroché, il n'a pas décroché du tout de toute la série que j'ai d'images. Quoi. Et d'ailleurs, pour le photographe animalier, le déclenchement, l'obturation électronique, c'est un vrai plus ou c'est très silencieux hein. Mais c'est complètement silencieux, il y a zéro bruit. C'est génial, pour l'animalier, Là, pour les oiseaux, tous les animaux peuvent en profiter au maximum. Quoi. Autant le bouquetin n'est pas farouche, autant les autres animaux le sont nettement plus. Quoi. Les animaux sauvages, c'est phénoménal. Ouais. Alors attention, hein, ça remplit très rapidement les cartes. Hein. Ouais, j'ai vu. Il faut faire attention. Il faut bien penser à avoir une carte importante donc pour ça, pouvoir... Donc ça, c'est une image un peu plus récente. C'est un RAW, là, cette fois-ci, du coup, puisque maintenant que j'ai mon boîtier, je travaille avec les logiciels qu'il faut. Et donc, pareil, là, absolument aucun souci. Donc là, il est avec le 400DO, c'est plus le 800 STM. C'est mon 400DO avec le multiplicateur derrière. Sache que le 800, c'est également un DO. Oui, d'accord. Plus le nom DO sur les objectifs, mais c'est une anti-DO à l'intérieur qui permet d'avoir un produit compact et plus léger. Tout à fait. Et ça fonctionne parfaitement bien. C'est impressionnant de piquer. Le capteur est aussi superbe parce qu'on a de la douceur dans les demi-teintes et les tons. Enfin, ça, c'est typique Canon, mais on retrouve un peu le capteur d'un 1DX, quoi, je veux dire, avec cette douceur. C'est le capteur du DX Mark III, hein, c'est la même famille. Hein, 20 millions de pixels, il monte à 100 000 ISO, donc il est supérieur, par exemple, au R5 par rapport à ça.
Donc c'est vraiment, on n'a que des retours hyper positifs sur la qualité après, des images. C'est peut-être aussi important de le dire aussi, ouais. C'est que moi, j'ai pu le tester aussi avec mon objectif macro et que voilà, ouais. On peut aussi adapter les autres optiques et que vraiment, il n'y a aucune différence. Oui, on monte une bague et voilà. On peut adapter tous les ouais, enfin, moi, je suis tout à fait convaincu. Hein. En tout cas, une image comme ça, donc là, je n'étais pas très haut en ISO. Hein. Je devais être à 1600 ISO, mais je suis un enlevé quoi, donc pour réaliser une image comme ça. Et malgré le peu de contraste qu'il y avait ce jour-là, pas de problème. La F, il a accroché. La stabilisation à la fois de l'objectif et du boîtier du capteur, ça, c'est génial aussi. Quoi. Parce que là, j'ai des vitesses qui sont quand même assez basses. Oui. Et là, on bascule sur plus des images de paysage. Mais voilà, pour montrer que c'est vraiment un boîtier polyvalent, j'ai sorti d'excellents fichiers avec des demi-teintes aussi pareil, très, très douces comme j'aime en fait, sur le rendu des Canon. Voilà quoi. Donc là, c'est avec un 16-35 F4. Donc, alors, sachez pour la F, par exemple, on parlait du 800, je reviens dessus un tout petit peu. Oui, bien sûr. C'est une optique sur laquelle on peut monter un multiplicateur 2. Ça veut dire que donc on passe à 1600 et ouverture F22, mais on a encore la F. Donc, il y a uniquement sur un hybride qu'on peut avoir ce type de caractéristiques. Donc, on garde la mise au point sur la partie centrale, mais une grande partie de l'image quand même. Et je rajouterais que c'est un plus aussi avec les optiques EF, puisque moi, le 400DO qui est déjà un F4, j'ai pu mettre le doubleur et j'utilise régulièrement donc avec un 800 mm, mais du coup qui ferme beaucoup plus. Et la F fonctionne parfaitement. Oui, ça, aucun souci. Par le passé, sur un DX, par exemple, c'était F8. Ce qui est pas valable. Maintenant, on passe à F22. Donc, c'est un avantage des hybrides. Où là, on a une meilleure sensibilité que sur un réflexe classique. Ouais, là, on bascule sur un petit peu plus nos projets futurs. Donc ça, c'est donc moi actuellement là, je travaille sur un gros reportage qui va me prendre, je pense, plusieurs années. J'essaye d'illustrer l'impact du changement climatique sur les oiseaux migrateurs, sur les voies des oiseaux, les voies migratoires. Donc voilà, pour l'instant, je me cantonne un petit peu à l'axe nord-sud européen. Mais voilà, ça va me demander du temps. Donc c'est sûr que ce sera un atout d'avoir des hybrides aussi, ne serait-ce que pour voyager et être léger. En parlant de migration, je dis bonjour aux grues de Montignandère. Elles sont tout à fait. Pas, mais bon, tout à fait. On les voit tous les jours quand on est là-bas. Donc un petit rappel à Montier. C'est un gros projet que peut-être j'exposerai à Montier, j'espère. On ne sait jamais. Montier aura lieu l'année prochaine. Donc ouais. Je pense qu'on aura l'occasion de voir tous les photographes qui ont été présents cette année donc, pour ce festival digital. Et on se verra là-bas, j'imagine. Ouais, avec grand plaisir, en tout cas. Ouais, on espère. Ouais. Et j'ai un deuxième projet en parallèle à ça, puisque ça, c'est vraiment un projet au long cours qui va durer dans le temps. C'est de préparer une grosse expo pour 2022 sur le Yukon, donc le nord-ouest du Canada. D'accord. Donc, c'est les images d'après. Donc, j'y suis déjà allé plusieurs fois et je pense voilà, essayer de monter une belle expo là-dessus. Ah, ça, c'est des photos qui ont été prises quand, alors ça, il y a... Alors, la première, il y a un an et ça, il y a 2 ans. D'accord. Ouais. Et bon, cette année, forcément, je devais y aller. On n'a pas pu. Ça, c'est pareil. Donc, ça, c'est les glaciers des montagnes du Yukon. Ah, alors là, du coup, on va basculer sur les miennes. On revient sur Nathalie, maintenant. On revient sur Nathalie, oui. Donc, des effets miroirs. Pour parler un petit peu des projets. Donc, moi, j'ai déménagé récemment, juste avant le confinement, dans le Périgord. Et voilà, donc du coup, j'en profite pour exploiter cette merveilleuse région. Donc, alors plein de projets, puisque en plus avec le Covid, on a le temps d'en faire des projets. Donc, entre autres, un projet qui était déjà prévu à l'avance, c'est que donc avec ma compagne, on a racheté une maison et on est en train de rénover une grange dans laquelle on va faire une galerie photo et 2 chambres d'hôtes. Donc, la particularité, ce sera qu'on rentre dans la galerie pour aller dans les chambres d'hôtes. Et également, ça va nous permettre de mettre en place des stages donc, qui sont déjà prévus, donc des stages macro-photographie et des stages justement sur l'eau. Donc, voilà, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'eau, sur peinture d'eau, enfin, donc faire des photos très graphiques, très picturales sur la surface de l'eau ou alors des filets d'eau. Et voilà, du coup, les gens pourront aussi loger, évidemment. C'est là que tu as fait le test du R6. Tout à fait, d'accord. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que quand j'ai cherché sur ton adresse, j'ai un peu cherché, je dois dire. c'est ça, oui. Et c'est même le facteur, des fois, se trompe. Oui. Donc, voilà. Et puis après, il y a pas mal d'autres projets qui vont être associés. Là, je travaille en ce moment sur plusieurs projets sur la vallée de la Dordogne.
le côté un peu plus sauvage, et puis sur les personnes aussi, les producteurs, entre autres, de truffes et de noix, voilà, qui font partie du terroir. Un autre monde très sympa aussi, mais oui, voilà. On est plus sur la gastronomie. C'est ça. Donc voilà pour les premiers projets. Ensuite, comme autre projet, bien sûr, l'année dernière, nous avons créé aussi l'agence de voyage Atmosphère, donc, qui est spécialisée dans les voyages photos en Afrique australe. Donc malheureusement, cette année, voilà, à cause du Covid, on n'a pas pu partir. Donc on a des voyages prévus en Namibie, au Botswana et en Afrique du Sud. Donc du coup, ils sont reportés l'année prochaine, ce qui fait que tous les voyages sont complets l'année prochaine, à part il doit rester deux places pour un voyage en Afrique du Sud, donc à prendre, hein, si vous voulez partir en Afrique du Sud. Et sinon, voilà, après, pas tous les voyages, mais la plupart seront reportés aussi en 2022. Donc c'est quand même très impactant pour vous, hein, le confinement. Ah, cette année, terrible. Faites rien, terrible. Enfin, entre guillemets, faites rien. À part se projeter dans l'avenir à travers des projets sur lesquels on peut travailler. Cette année, tout a été annulé, que ce soit festival, les voyages. Du coup, moi, je travaillais avec les scolaires. Donc, cette année, je n'ai pas pu faire de classe. C'est terrible cette année. Pour nous, c'est très grave. On a une chance de faire une conférence quand même, une grande conférence digitale et de faire, comment dire, un petit montier en d'air. Oui. On n'est pas chez Tony Crocetta, mais presque. Et donc, dans ce qu'on n'a pas pu faire cette année aussi, mon exposition Porte-Plume, qui a été parrainée donc, par le Festival de l'Oiseau et qui devait sortir en avril au Festival de l'Oiseau, justement. Donc, qui n'a pas pu avoir lieu. Et puis, tous les festivals ont été annulés cette année. Donc, là, pour l'instant, elle est en galerie Imagine Art à Saintes. Mais j'ai juste eu le temps de l'accrocher. Elle a eu une petite semaine. Et puis, maintenant, elle est confinée aussi. Par contre, là, tu as joué, c'est vraiment un thème particulier. Hein. Oui. C'est de l'ombre chinoise. Tu travailles comment pour faire ce type d'image, puisque c'est vraiment, comment dire, très, très contrasté. Hein. Oui, alors en fait, je vais déjà beaucoup surexposer à la prise de vue, choisir plutôt des ambiances où le ciel est déjà un petit peu blanc derrière. Mmh. Donc après, j'ai plus qu'à jouer sur les contrastes, sur les noirs et les blancs. Donc voilà, après, cette exposition est très graphique. Mmh. Le but était aussi de sensibiliser les gens sur la protection des oiseaux aussi. Donc cette manière un petit peu plus graphique permet de faire ressortir l'oiseau et de plus parler de sa sensibilité. Ouais, voilà. C'est très poétique, hein. C'est donc, on dirait, un arbre qui a été... qui se fait avec les oiseaux qui ça, volent en fait, autour de la structure. Du tronc. Après, il y a une série dans l'exposition où il y a trois images qui se suivent pour finir sur celle-ci. Donc, où petit à petit, les oiseaux s'envolent. Et puis, j'ai beaucoup. Donc, un travail de patience, hein. Il faut rester longtemps, attendre le, le moment opportun. Alors, après, c'est la magie de la photo. C'est que autant des fois, on va passer des temps infinis sur une espèce, sur une photo pour vraiment vouloir une image. Et puis, alors, d'autres, comme celle d'après, par exemple, où c'est le coup de chance. Là, c'était l'hiver dernier en Tanzanie. Où cet oiseau, là c'est une grue royale, elle était juste posée là sur cet arbre. Enfin, elle m'attendait. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est tout y était. Et là c'est vraiment très, des moments japonais, magiques. Presque. C'est ça. Dans ce que ça montre. Voilà, donc puis du coup, si on peut voir donc sur l'image suivante, donc après, il y a le livre. Alors même si l'exposition n'a pas pu sortir cette année, le livret d'exposition, lui, est disponible, hein, il est en vente sur mon site. Hein, donc c'est quand même possible de participer. Pour ce livre, en fait, chaque livre acheté, je vais reverser 2 euros à la Sancom, qui est une association qui protège les oiseaux d'Afrique et entre autres le manchot du Cap, qui en a vraiment besoin. Donc chaque livre acheté, vous allez participer aussi à leur protection. Et pour le côté un petit peu sympathique, en fait, tous les 10 livres achetés, je vais, entre guillemets, adopter un manchot du Cap. Pas chez moi. Parce que... Non, il reste un poussin en fait qui est là-bas, qu'ils élèvent et puis qu'après ils vont relâcher. Donc, mais le côté sympathique, c'est que toutes les personnes qui ont participé peuvent m'aider à choisir. On va choisir le nom du poussin. Ah d'accord. Voilà, donc le dernier qui a été parrainé, il s'appelait Pixel. Voilà. Donc à vous de choisir le nom du prochain. Du prochain. Alors moi j'ai une petite question maintenant pour Denis. Alors j'ai mon collègue Salvatore qui m'a dit n'oublie pas de parler de mon PowerShoot Zoom à Tony.
Donc je crois que Tony, tu as utilisé cette, cet appareil photo, ouais. Enfin, en fait, cette structure. C'est, quand on m'a demandé si ça m'intéressait de le tester, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai. En fait, c'est pas si mal. C'est un petit appareil caméra, qui, voilà. Par contre, qui a une focale très intéressante, c'est un 100-400. Ouais. Donc un bifocal avec un zoom numérique 800. C'est mais, ça, ouais. Et je me suis dit, ok, ça peut être intéressant d'avoir un monoculaire comme ça, ne serait-ce quand on fait du repérage. Oui, ça je pense. Qu'on a besoin d'identifier, qu'on est sur le terrain, on se dit, tiens, c'est quoi ça, qu'on ne veut pas bouger notre télé, tout ça. C'est rapide, moi je l'avais toujours dans ma poche, du coup, à ce niveau-là. Et je le sortais et je faisais des essais. Alors c'est un 12 millions de pixels. Oui. T'as bien appris ta leçon. Hein. Ouais. Non, mais ben, en général. Je n'ai rien à redire. Quand j'essaye quelque chose, j'aime bien savoir ce que c'est et aller un peu dedans pour voir un peu jusqu'où je peux le pousser. Alors, pour être honnête, ce n'est pas un réflexe, on est bien d'accord. Non, non, les non. images qui sortent de ça, ce n'est pas des images qu'on pourra faire à un expo qui sont au top, c'est clair. Par contre, la qualité indéniable de l'outil, c'est qu'il est pratique, petit. Mm-hmm. Il est précis, il est stabilisé. L'AF, il suit parfaitement bien les sujets aussi. J'ai pu suivre mon chien aussi pour faire 2-3 tests. Ça marche très, très bien. Et puis, on peut filmer. Mmh. Et en termes de caméra, c'est pas mal du tout. La résolution donc, qui est du HD. Hein. Ouais, c'est du full HD. Elle est vraiment pas mal et elle est exploitable, vraiment. Donc, agréablement surpris par le petit engin là, un peu insolite qu'on m'a fait tester. Ouais. Non. Donc, je pense que pour tous les photographes de nature ou les naturalistes, oui. notamment ceux qui font du birding ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à avoir dans son sac. C'est un bel outil, je pense, qui pourra servir à beaucoup de gens qui veulent s'essayer donc, au repérage pour faire de la photo animalière. En l'associant, par exemple, avec un 800 AF-11, je pense que les deux font la paire et pourront détecter les animaux. Donc 12 millions de pixels, un capteur tiers de pouce, deux focales 100-400 et un zoom numérique à 800 mm. Donc très intéressant pour les animaliers. Je pense qu'aujourd'hui, à Montier-en-Der, par exemple, on aurait eu un succès à le prêter à tous ces gens qui viennent voir les grues et ça aurait été un moyen de les admirer, les observer. Et c'est surtout quelque chose qu'on peut avoir constamment avec soi. Oui, ça, c'est ça tient dans la poche. Ah, ouais. Ouais. Alors, moi, je... Alors, d'autres... Je ne sais pas s'il y avait des questions. Alors, des questions. Peut-être... Je vais reprendre, comment dire, ma tablette. Alors, bonjour à tous. Félicitations. Top. Donc, voilà. Donc, Denis pour le manchot, une idée comme ça. Non, je ne sais pas ce qu'il veut dire. C'est Louis Casiano. Louis qui dit que le manchot que tu vas adopter, ouais. Il donne mon nom. Ah, c'est une bonne idée, ça, tiens. Et Louis, le prochain. Oui. Alors, j'ai une question, moi, c'est technique, hein, c'est sur le R6, la vidéo. Alors, la vidéo sur le R6, donc c'est du 4K 60p. Donc, ça veut dire, parce qu'il pose la question par rapport au R5, qui, lui, fait du 8K. Donc, on a un 4K 60p avec du log, hein, donc une caractéristique qui permet de faire de l'étalonnage derrière. Donc, c'est une qualité très, très intéressante. Hein. Et surtout, donc, on a le suivi AF, la stabilisation d'image qui est très importante. Et ça, je pense que le stab, ça va être quelque chose de très intéressant pour tous les photographes animaliers qui utilisent beaucoup les trépieds, bien sûr. Et de temps en temps, ils pourront s'en affranchir et éviter d'avoir 19 kilos sur le sac à dos et de s'alourdir et de fatiguer trop, quoi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un vrai plus parce que quand on met, par exemple, un 100-500 ou un 600 à 800, on peut monter sur certaines optiques jusqu'à 8 diaphs. Donc, imaginons, un 500 mm, la règle, c'était 500 mm, 5 centièmes. Là, on pourra descendre au 15e, 30e de seconde sans le trépied. Donc, c'est un vrai plus par rapport à ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, on arrive bientôt à la fin de notre live. Donc, moi, j'ai un mot pour Montier-en-Der. Là-bas, est-ce que le fait de ne pas rencontrer les photographes, parce que Montier-en-Der, c'est d'abord un échange avec des passionnés. Hein. Moi, je l'ai fait deux fois déjà. Et à chaque fois, quand on va là-bas, on rencontre des gens qui, tous les jours, nous posent des questions. C'est une grande famille, les photographes animaliers, de passionnés, de défenseurs de la nature comme vous. Ah bah oui, c'est sûr. Bah, si, ça manque forcément. Et puis, dans tous les festivals, c'est à la fois les autres photographes, parce que voilà, c'est certains sont même des amis, mais on les voit qu'une fois par an ou oui. deux fois par an dans les festivals. Donc, ça manque, bien sûr, hein, c'est sûr. Et puis, ce qui manque aussi, c'est de partager avec le public, parce qu'on fait aussi de la photo pour ça, hein, pour le partage, c'est important. C'est partager avec les gens, avoir des retours, pouvoir discuter de la photo, alors aussi bien avec d'autres professionnels qu'avec... le public, et ça manque, et c'est sûr.
Bien sûr. Mmh. Le Montier, c'est pour nous, c'est le plus grand événement de l'année. Oui, c'est celui où on voit tous nos amis, comme tu le disais, qu'ils soient photographes ou pas. Hein. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Maud, c'est génial de pouvoir l'avoir au moins une fois chaque année. Et puis, il y a, comme tu dis, le public aussi. Et c'est le plus grand événement. Il nous manque, ça c'est évident. On espère qu'on pourra le faire l'an prochain. Et ce moment de partage-là, on peut le faire en visio avec des amis, tout ça, mais ce n'est pas la même chose. Quoi. Montier, ça reste Montier. Quoi. Oui, les expos, ça permet de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux photographes aussi, des gens qu'on ne connaît pas. De partager avec d'autres photographes, d'apprendre peut-être des techniques. C'est surtout de partager d'abord, je pense que c'est ça l'important. Partage de l'expérience de terrain, c'est de la conservation, en plus c'est sensibiliser les gens donc, à la nature et à la préserver dans ce monde magnifique dans lequel on vit, mais qu'il faut garder encore le plus longtemps possible. Et il ne faut pas oublier ça, c'est important. Oui, c'est important de rencontrer aussi de nouveaux photographes, voilà, de rencontrer des gens, c'est ce qui manque. Hein, c'est vous serez l'année prochaine à Montier. De toute façon, même si on n'expose pas, on y va chaque année. On y va chaque année, comme tu dis, voilà, soit en visiteur, soit en exposant. Mais... D'accord. Ouais, pareil, on a dû manquer une fois ou deux, pas plus. Quoi. Quand vous étiez, j'imagine, en déplacement, en voyage pour des reportages. Donc, le live va bientôt se terminer. Donc, je rappelle quand même, tout à l'heure, à 14h, on a un autre live avec... 15h, pardon, excusez-moi, on me reprend, j'ai fait une petite erreur. À 15h, donc, avec Sabrina et Jean-Michel Krief, qui nous parleront également de beaux reportages. Et on aura également un autre live à 19h avec... 17h, avec, je ne me souviens plus du nom, Arnaud Guérin, voilà. Donc, deux lives très intéressants cet après-midi et en fin de soirée, sur lesquels on pourra apprendre encore plein de choses avec des gens formidables qui vont encore partager leur passion et leur métier. Donc, on vous attend tous tout à l'heure à 15h, donc avec Jean-Michel et Sabrina, et ensuite à 19h avec Arnaud Guérin. Au revoir et à tout à l'heure pour un autre live et une vidéo pour ce festival digital de Montier-en-Der.